Aujourd'hui, on est à une ère de transformation digitale, mais pas seulement en fait, où il y a énormément de choses à appréhender. Et par rapport à ça, donc l'individu et les organisations ont besoin d'outils. Nous, on fournit ces outils qui permettent à chacun de développer, d'exploiter ses ressources individuelles et collectives. Donc très concrètement, c'est là tout ce qui est flexibilité mentale, tout ce qui est capacité d'adaptation au service du développement de la personne et du développement de l'organisation. Tout ce qui est donc santé au travail. Par rapport à une société en accélération, il faut arriver à se resituer dans ce nouveau mode d'organisation introduit notamment par le digital. On utilise également nos outils sur les mêmes au niveau sciences cognitives comportementales sur les mêmes ressorts pour favoriser l'inclusion des personnes éloignées de la scolarité et de l'emploi ou éloignées par exemple comme les seniors en décrochage pour qu'ils retrouvent leurs ressources et à travers une meilleure flexibilité cognitive et émotionnelle. Qu'ils arrivent donc à être en meilleure santé et être plus inclus dans notre société, c'est très important.